Salut tout le monde, bienvenue sur Super Solus. Aujourd'hui, on va vous parler de la Solus de The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc, le tout dernier sorti sur 3DS, 2DS, ainsi que la toute dernière New 3DS. Donc, ce jeu, à l'origine, c'est un remake sorti sur Nintendo 64. Donc, ça raconte l'histoire de Link qui arrive dans les terres de Termina juste après Ocarina of Time. Donc, vous allez du coup jouer Link qui se retrouvera transformé en Peste Mojo, et par la suite, vous aurez 72 heures pour enlever la malédiction de Majora qui menace la terre de Termina, donc avec une lune qui va s'écraser sur le monde. Rapidement, qu'est-ce que c'est que cette Solus? Tout d'abord, il y a la quête principale du jeu. Ici, vous aurez pas mal de quêtes annexes à faire pour réussir à aller dans chaque donjon du jeu. Et la grosse particularité de notre Solus, c'est qu'elle va vous expliquer point par point avec quelle personne vous allez devoir parler. Vu que le jeu s'établit en 3 jours, il vous faudra arriver dans des parties heure après heure pour parler à ces personnes. Et donc dans notre quête principale, on verra le cheminement de tout ça. Ensuite, en réalisant ces quêtes, vous aurez la possibilité d'obtenir des objets, ces objets qui vont vous permettre d'aller dans les donjons. Chaque donjon sera détaillé page par page. Donc vous aurez les vidéos, les images, les descriptions du jeu. Donc comme d'habitude, hein, les vidéos c'est du one shot, il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a pas de mort. Comme ça, si jamais vous êtes bloqué dans le jeu, vous avez juste à lancer la vidéo, vous regardez toutes les énigmes, aucun souci. Et pour les plus persévérants, si vous arrivez à aller jusqu'au boss final, pareil, une vidéo du boss. Sachant que même les personnes qui ont déjà joué au jeu, tous les boss ont été refaits. Et il y aura de nouvelles patterns, donc là encore, je pense que vous allez pas mal criser sans notre Solus. Ensuite, dans les donjons, vous aurez 15 fées égarées à récupérer, vous permettant de récupérer des améliorations. Encore une fois, dans notre Solus, vous verrez les améliorations ainsi que comment récupérer toutes les fées égarées, sachant que le positionnement des fées ont été changés. Donc encore une fois, même si vous avez déjà fait le jeu sur Nintendo 64, notre Solus vous permettra de retrouver ces nouveaux emplacements. Maintenant, nous allons un petit peu parler de la partie annexe de notre Solus. Donc à l'intérieur, vous retrouverez les 24 masques à récupérer dans tout le jeu. Donc encore une fois, de base, pour terminer la quête principale, il vous faudra simplement 3 masques, le masque de Mojo, le masque de Zora et le masque de Goron. Mais si vous voulez finir le jeu à 100%, là il vous faudra obtenir les 24 masques. Donc encore une fois, vous allez sur notre Solus, il y aura les vidéos, les descriptions, les images de chaque masque. Et d'ailleurs, si jamais vous avez le moins de problèmes, la moindre question, on a créé une partie bien débutée. Là, vous verrez les différences entre la version 3DS et la version Nintendo 64. Ici, vous pourrez poser des questions si jamais vous avez la moindre requête à faire, ou même si jamais vous voyez des problèmes au niveau de la Solus ou que vous voulez que ça soit plus détaillé. Vous écrivez un commentaire et la communauté ainsi que les gens qui ont fait la Solus pourront vous répondre. Pour finir, on retrouvera aussi tous les quarts de cœur du jeu à l'intérieur d'une énorme page.